Bonjour Sentinelle de Jésus, Delphine Alou, Ange Delphine, soyez béni. Martial Gex, soyez béni. Bon arrivée. Seigneur notre Dieu, je te rends gloire pour ce moment. Tu conduis toutes choses, tu orientes toutes choses. Ton nom est glorifié, ton nom est élevé, ton nom est magnifié. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit parmi nous pour nous faire du bien. Oh, alléluia. À toi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent
maître de toutes choses. Nous voulons te soumettre ce moment afin que tu le conduises par ton esprit. Oriente-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Conduis-nous pendant ce moment, Seigneur. Étends ta main sur la vie de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Étends ta main sur nos destinées. Étends ta main sur tout ce que nous recherchons. Éternel Dieu, viens nous faire du bien. Viens nous aider. Nous en avons besoin, Seigneur. Le souffle de vie, c'est toi qui le donnes. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous y arriverons. Merci, notre Dieu, parce que tu bénis nos vies et tu nous aides dans la marche que nous avons avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis révérend Anissé Chekinaël et je suis votre frère. Je suis connecté avec vous aujourd'hui pour un temps d'édification qui nous fera beaucoup de bien. Je le crois fortement. Je sais que notre Dieu est capable. Je vous dis, je vous répète, notre Dieu est capable. Il est puissant et il est vivant. La bonne nouvelle, c'est que nous avons avec nous le véritable. Et ça, c'est le plus important. Que Dieu bénisse la vie de chacun d'entre nous. Dieu se souvienne de chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse nos pas, guide nos pas, oriente nos vies selon son plan et sa grâce infinie, selon l'immensité de sa bonté. Nous voulons soumettre ce moment à la présence de l'Esprit de Dieu. Nous voulons soumettre ce moment à notre Père, le Père des esprits des prophètes, afin qu'il puisse établir son règne et glorifier son nom dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen et amen. Soyez salués à vos grades qualité. Soyez salués. Vous tous qui êtes sur YouTube et vous tous qui êtes sur Facebook, soyez salués. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous et vous toutes qui êtes sur Facebook, et vous toutes et vous tous qui êtes sur YouTube, soyez salués et soyez bénis. Ce jour, je voudrais prier que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous fasse du bien. Mesdames et messieurs, nous sommes là encore ce matin, à 4h du matin, heure GMT, 5h du matin, heure de l'Europe de l'Ouest, en particulier Paris, Genève, Bruxelles, Parme, Rome. Soyez salués. Soyez salués. 23h, heure de New York, Washington DC, heure du Québec, heure, n'est-ce pas, de Boston et de Baltimore. Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes du côté, n'est-ce pas, de Houston au Texas. Il est en ce moment 22h et 18 minutes, là-bas. Pour ceux qui sont en Californie, il est 20h. Et 18 minutes. Ceux qui sont à l'île de la Réunion, il est déjà 7h du matin. Ceux qui sont du côté du Tokyo, il est 12h cet après-midi. Soyez donc salués et soyez remerciés pour votre présence et votre constance. Mesdames et messieurs,
Ma présence en ce jour répond au fait que je vous ai donné rendez-vous. Notre rendez-vous quotidien. Cet après-midi, à 15h de ce mardi, heure de New York, il sera 21h à Paris et 20h à Abidjan. Nous serons sur Zoom pour un temps de prière intense, là où on entendra vos voix. Parce qu'ici, on ne peut pas entendre vos voix tant qu'on ne vous prend pas en direct. Mais sur Zoom, nous entendons nos voix. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur Zoom. Et ça me fait plaisir. Parce que je crois que les gens aiment désormais la prière. Vous savez, le diable a tellement travaillé dans l'église qu'il a commencé à utiliser les prophètes pour tuer son église. Utiliser les prophètes ou les soi-disant prophètes pour tuer l'église, ou le don prophétique pour tuer l'église. Depuis que le prophétique est venu dans les églises, les gens ne prient plus. Ils cherchent un prophète qui va prier pour eux, qui va intercéder pour eux, qui va voir pour eux, qui va entendre pour eux et qui va trouver la solution pour eux. Quand nous avons commencé à être chrétiens, on nous exhortait à développer notre vie de prière. Nous avons tellement développé notre vie de prière que nous sommes devenus des gens qui entendons la voix de Dieu. Parce que quand vous parlez à Dieu, Dieu vous parle. C'est ça la prière. C'est un dialogue et non un monologue. Nous l'avons développé, nous avons grandi avec. Jusqu'à ce que dans les années fin 90, les prophètes commencent à envahir et que ce soit eux maintenant qui parlent pour nous. Au point que j'ai entendu un prédicateur qui a dit, vous ne connaissez pas Dieu, c'est votre Père qui parlera à Dieu pour vous. Et ça, c'est dangereux. Nous sommes arrivés au stade où nous devons revenir aux fondamentaux. Les chrétiens doivent se lever dans la prière et prier. Et les hommes de Dieu les accompagnent. C'est ça notre rôle. Ils les boostent, ils les fortifient dans leur marche. Si les hommes de Dieu ne font pas cela, ils ont échoué et ils ont échoué dans leur mission. Mesdames et messieurs, ces moments de prière sont des moments pour vous réveiller, pour vous booster. Si tu veux dormir, dors. Tu es libre de dormir. Tout est permis. Mais retiens que tout n'est pas utile. Tu ne pries pas. Ne crois pas qu'un homme de Dieu va donner sa poitrine pour toi. Il a déjà des problèmes et des luttes dans son corps, dans sa vie, dans sa famille. Il ne le fera pas pour toi. Il se cherche parce qu'il rendra compte aussi à Dieu. La Bible déclare que nous serons jugés plus sévèrement. Donc chacun d'entre nous, les hommes de Dieu y compris, sont en train de lutter pour le ciel et pour leur propre famille. Si quelqu'un vous dit « Dors, je prie, il ne faut pas t'inquiéter », il est en train de vous mentir. Pendant qu'il dit « Je jeûne et je prie », il est en train de manger. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Ceux qui jeûnent, ils sont un. C'est pourquoi vous les voyez grossissent. Ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses maisons, ils ont des gros ventres. Ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus, ils dorment. Parce que les dîmes et les offrandes rentrent. Je ne combats pas les dîmes et les offrandes, au contraire. Je suis l'une des personnes qui donne, donc j'aime donner. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on blague les enfants de Dieu pour les endormir, pour que le diable joue avec leur vie. Chrétien, toi qui me regardes, si tu ne pries pas, aucun homme de Dieu, pas moi-même, ne pourra faire quoi que ce soit pour toi. Si tu comptes sur moi parce que je vois, parce que j'entends, tu te tues parce que la révélation n'apporte pas la délivrance. La révélation sans une opération chirurgicale, sans une délivrance, c'est juste une information. Je répète, une révélation sans action est une information. Les hommes de Dieu vont avoir des révélations qui vont devenir des informations pour vous, parce que ça ne va pas vous aider. Et même si, après une révélation, il y a une délivrance, et qu'on ne vous apprend pas à maintenir votre délivrance, les démons reviennent pire qu'avant. C'est pourquoi si tu viens ici, que tu es encore paresseux, après m'avoir écouté, les conséquences, c'est toi qui les payeras. Ton sang ne sera pas sur ma tête. Ton sang ne me sera pas redemandé. J'aurai fait ma part de sentinelle pour te prévenir que si tu ne pries pas, quand le malheur arrivera,
quand tu appelleras le prophète, tu appelleras l'apôtre, tu appelleras qui que ce soit, les téléphones seront fermés ou bien seront sous silence. Ils ne vont pas entendre. Parce que tu auras eu ton temps où la trompette aura sonné pour t'avertir. Je ne suis pas ici pour vous dire ne priez pas, je prie pour vous. Je serai un menteur. Je vous dis la vérité. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis là, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vous diront ça. Ils vous diront, t'inquiète pas, envoie-moi ton offrande va parler pour toi. Ton offrande sur l'autel parlera pour toi. Il faut nourrir l'autel. Il y a une de mes filles, elle est en France, à Paris, à Reims. Elle m'a envoyé un message pour dire, papa, je vais te parler d'un truc. J'ai dit oui. Elle est une prophétesse qui l'a contactée sur Facebook. Elle dit, non, Dieu lui a donné des révélations. Elle dit, d'accord, je vous écoute. Elle dit, non, Dieu m'a donné des révélations. Mais il faut qu'on puisse trouver un jour pour prier. Donc prépare-moi, achète-moi une bouteille d'huile et puis prépare une semence. Quand on va commencer, on va prier. Tu vois, je vais te montrer des choses à faire. Je lui ai dit, quand ça commence déjà par semence, il y a un problème. Quand ça commence déjà par semence. Mes amis, l'onction n'est pas à vendre. Les dons ne sont pas à vendre. Quand on commence à monnayer les dons spirituels, on commence à corrompre les dons spirituels. Depuis que je prie pour vous ici, là, beaucoup de révélations, beaucoup de délivrances. Vous m'avez déjà vu dire, envoyez-moi l'argent pour rentrer dans vos bénédictions. Jamais. Ça, c'est à mon niveau. Hein. Chacun reçoit sa révélation. Eux, ils ont leur révélation. J'ai la révélation que Dieu m'a faite. Je ne veux pas avoir l'argent de quelqu'un, son sang sous ma tête. Je prie pour toi. Je te dis, il faut te prier, il faut te battre. Dieu va agir dans ta vie. Ça, quand on va arriver du côté où ton âme a été vendue, on te demandera une offrande. Parce que le commerce de l'âme est un commerce qui est très fructueux selon l'Apocalypse. En ce moment-là, un homme de Dieu peut te dire, ça là, il faut déposer une offrande. Mais je ne vais pas te dire, moi personnellement, je ne vais pas te dire, donne-moi 10 000 euros, non. Mais si ton âme te coûte cher, ça c'est en toi. C'est toi qui vois. Mais pour le moment, je vous dis une chose. Les dons ne se monnaient pas. Sinon, les corrompt. Avant de commencer ce que j'ai à dire ce soir, et l'action qu'on va poser ce soir, je vous ai dit de trouver un habit qui a touché votre corps. Parce qu'on va poser une action prophétique aujourd'hui. Un habit dans lequel il y a votre sueur. Vous m'avez vu là, il y a deux t-shirts. Il y a deux t-shirts sur moi. Le premier t-shirt que vous voyez là, c'est le t-shirt qui va servir à l'action prophétique. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'après ça, les conséquences seront assumées par des gens qui ne veulent pas vous laisser dormir. Les gens qui ne veulent pas laisser votre âme en paix, leur âme reposera en paix. YouTube, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère qu'on se comprend. Plusieurs m'ont appelé. Je bénis le Seigneur pour vos vies qui m'ont envoyé des messages. Pour dire, homme de Dieu, tu as fait un post, tu as fait un post, tu as fait un post. Mes amis, le post que j'ai fait là, j'ai beaucoup de photos de mes retraites spirituelles. Je ne les poste jamais. Je ne les poste pas. Parce que c'est mon intimité avec Dieu. Je les garde pour mon propre souvenir, pour enseigner mes enfants. Pour dire à mes enfants, votre père, voilà comment il a cherché Dieu. Ça, c'est moi et mes enfants spirituels. Mais les gens me poussent souvent à faire des choses que je n'aime pas faire. J'ai un parcours avec le Seigneur. J'ai une histoire, j'ai un témoignage avec mon Dieu. L'onction que vous voyez se manifester aujourd'hui là, je ne l'ai pas payée. Mais j'ai payé le prix de l'onction. Dans le jeûne. L'homme que vous voyez là, il a fait 41 jours de jeûne. Il a fait 30 jours. Il a fait 21 jours, deux fois, au moins. 21 jours sans manger.
J'ai arrêté les longs jeûnes à cause de l'âge. Mais mon petit frère, l'apôtre Evra, il continue. Chaque année, il a 40 jours qu'il fait. Ou bien un 21 jours. Et chaque mois, c'est 10 jours de jeûne. Parce que c'est ce que je lui ai inculqué, c'est ce que je lui ai appris. Les 14 jours, on n'en parle pas. Ça, c'est manger que je fais. Les 7 jours de jeûne, là même, on n'en parle pas. Les 3 jours secs, sans manger, sans boire, là, c'est de l'eau pour moi. C'est là-bas que le Seigneur s'est révélé à moi. La première fois que j'ai vu le Seigneur de mes yeux, c'était lors d'un jeûne de 30 jours. Au 19e jour, le Seigneur a paru dans le lieu où j'étais. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire, il y a une petite ville qu'on appelle Azagué. Là-bas, il y a une autre ville qu'on appelle Idéfort. Bon, une petite village où on fait ce qu'on appelle là, des expériences, n'est-ce pas, avec les fruits. On mélange les fruits. On appelle ça Idéfort. C'est là-bas. Dans le lieu où j'étais, au 19e jour de mon jeûne, j'ai vu le Seigneur rentrer dans le lieu où j'étais, illuminant le lieu. J'ai rendu ce témoignage-là plusieurs fois. Je ne suis pas un parvenu. Je prêche l'évangile depuis le 4 février 1995. Je ne suis pas un parvenu. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Calculez. Calculez. Je ne suis pas un parvenu. J'ai ma bosse que j'ai traînée dans des brousses, dans des villages. On m'a envoyé à Maféré, dans un village. La seule ville en Côte d'Ivoire où il y a une école de féticheurs, c'est Maféré. Tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, demandez-leur d'aller faire ministère à Maféré. Ils ne pourront pas. Maféré, c'est la seule ville en Côte d'Ivoire où il y a une école de fétiches et de féticheuses, les Adjanou là. Ce qu'on appelle les Adjanou, là, c'est là-bas, vers la frontière avec le Ghana. J'ai construit, j'ai bâti l'église là-bas. Vous comprenez? Quand vous allez là-bas encore, mon nom est à Maféré. Un enfant qu'on arrête comme ça. Et puis son papa va au Ghana. Il revient, même s'il a fait 10 jours là-bas, l'enfant a arrêté. Il ne bouge pas. On le fait asseoir, il ne bouge pas. Quand son papa s'en va, il revient, va le trouver là. L'enfant avait été maudit. Quand je suis arrivé là-bas, là, l'enfant ne pouvait pas, il ne parlait pas. Mon nom est à Maféré. C'est dans le village de Grâce Joël. Nda Grâce Joël. Elle est venue me trouver là-bas en croisade. L'enfant, l'onction qui est sur ma vie a fait parler l'enfant. Une dame dans le village qui était féticheuse, qui était en train de mourir. Les féticheurs n'ont pas pu faire quelque chose pour elle. Quand je suis arrivé là-bas, aujourd'hui, là, aller à Maféré, chaque 4 heures du matin, elle attrape bouteille, puis elle tape bombo, elle attrape le bombo là, puis elle tape dans le village. Puis elle dit, Jésus vous aime, une ancienne féticheuse. Je ne suis pas un parvenu dans le ministère. Je cherche Dieu dans la brousse. Je ne suis pas dans le confort. Confort que vous voyez ici. Il y a aujourd'hui salon, j'ai salon à manger, j'ai grosse maison, je n'ai pas volé. Hein. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit non, tu as un salaire. Je ne prends pas au dîme offrande à l'église. Je n'ai pas un salaire à l'église. Dieu seul sait comment il s'occupe de moi. Je ne demande pas là à quelqu'un. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Donc vous tous qui êtes ici là, sachez une chose. Je ne suis pas magicien. Je ne touche pas fétiche. Il n'a pas fait d'alliance bizarre. Il n'a pas tué mouton. Il n'a pas tué Pabri. Je ne connais pas ça. Je sais chercher Dieu dans la brousse. Un jour, j'ai dit à Nicole Mireille Didier, pendant que j'étais en retraite, elle m'a dit, Naba, tu es où? Allez sur Facebook, demandez Nicole Mireille Didier. J'étais en brousse. Il lui a dit, je suis venu faire fétiche. Je suis en train de faire sorcellerie. Parce que quand il a quitté ici, quand il a manifesté l'onction, vous avez dit que je suis sorcier. Elle a commencé à rire. Parce que c'est ça. Quand Dieu se manifeste avec un homme de Dieu, il faut que ce soit la sorcellerie. Les guérisons que vous voyez ici, les révélations que vous voyez ici, les délivrances que vous voyez ici, c'est authentique par le nom de Jésus-Christ. Et on continuera avec le nom de Jésus. Il y a une soeur ici.
Elle s'appelle Jocelyne Ba. Vous vous souvenez d'elle? Vous vous souvenez d'elle? Ou un jour, excédée de ce que sa maman voulait la tuer. Avant, je lui disais, on va prier, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Vous vous souvenez de la dame qui a dit que dans son village là, quelqu'un va elle va rencontrer quelqu'un qui va lui ouvrir la porte, elle va faire le business. Et puis elle est venue témoigner pour dire que quelqu'un l'a trouvé. Et puis lui a dit, elle a qu'à faire un business, elle va financer. Vous vous souvenez de ça? Cette dame là, elle est en train de mourir un soir. Je vous ai dit qu'elle est en train de vomir dans sa douche. La dame là, hier quand on faisait le direct, elle écrivait, tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai prié pour elle, puis elle dit, aujourd'hui là, ta maman, ce qu'elle est en train de faire sur ta vie. Je ne voulais pas dire ça. Par exemple, on dit les hommes de Dieu mélangent les familles. Donc moi, je n'aime pas dire à faire de, c'est ta maman, c'est ton papa. Il dit prions. Mais ce jour-là, il savait que c'est cette nuit-là qu'on voulait la prendre. Quand j'ai vu sa mort et son cercueil et sa maman arrêtée sur elle, j'étais obligé de dire, c'est ta maman qui était tuée. C'est là qu'ils ont échoué. Voilà, maman Patricia dit, elle se souvient très bien. C'est là que la nuit, là, ils ont échoué de la tuer. Et quand j'ai fini avec elle, et que Dieu a fait qu'elle s'est relevée, elle dit, trois personnes, un ami à elle qui est gendarme quelque part au nord de la Côte d'Ivoire, l'a appelé pour dire, ta maman veut te tuer. On est en train de prier cela. Elle dit, trois personnes ont confirmé ce que j'ai dit. Aujourd'hui, là, elle m'envoie un message sur moi pour dire, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Parce qu'elle aime tellement ce moment qu'elle ne peut pas croire. Aujourd'hui, là, Dieu a fait qu'elle est délivrée. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas autre chose. Je vous fais écouter un témoignage. Quelqu'un m'a envoyé un témoignage tout à l'heure. Une maman là. Écoutez ce témoignage. On va prier tout à l'heure. Soyez très, très, très fort. Parce que ce qu'on va faire va être très fort. Il y a des gens qui vont tomber sur eux à la maison. C'est très, 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 très important. Écoutez-moi ce témoignage. Bonsoir, révérend. Je faisais ce vocal comme ça pour témoigner. Déjà, la dernière fois, il y a quelques mois, ou il y a un mois exactement, vous avez fait une révélation comment vous voyez une ville, c'était la ville de Douala. Il y avait de l'eau, tout. Il y a des démons qui fatiguent cette famille-là. Et vous avez prononcé le nom de ma famille. Je suis venue vers vous pour témoigner que, en réalité, il s'agissait de moi, en fait. Et hier encore, quand vous avez prié, vous avez dit que vous voyez la ville de Douala et vous voyez une forêt noire. Et vous ne savez pas s'il y a une forêt noire là-bas et tout ça, vous voyez du noir. Et en réalité, en fait, dans cette... vous voyez des eaux. Et ces eaux-là qui sont au bord, il y a des îles avec des arbres, en fait. Et il y avait une femme, vous avez vu plutôt une bouteille, et on disait que cette personne ne va rien devenir, même si elle a voyagé et tout ça, et vous avez que c'est un problème de jalousie. Et vous avez prié, vous avez reversé, et vous avez dit que la personne fasse attention, parce qu'on va appeler la personne pour demander de l'argent, ça sera pour faire un retournement de situation, qu'il y a quelqu'un qui est malade. J'appelle comme ça, je fais le vocal comme ça pour vous dire qu'exactement, on m'a appelé et la personne m'a laissé des voices et me disant qu'elle a besoin d'argent parce qu'il y a soi-disant quelqu'un qui est malade en fait, la famille qui est malade, qu'il faut aider, c'est comme un prêt et tout. Donc exactement comme vous avez dit, c'est ça qui est en train de se passer comme ça. Et en passant, vous avez aussi fait, vous avez dit, le jour que vous avez dit, il y a un démon qui fatigue cette famille, qui se lance cette tour-là et tout ça. Ce jour, quand vous avez dit ça en même temps, vous avez dit que Dieu préparait une rencontre à la personne qui va changer sa destinée, son statut. Je voulais dire comme ça en passant que la rencontre a déjà été faite en fait. Et c'est mon témoignage, je viens vraiment vous remercier parce qu'il y a Dieu sur cette plateforme. Et merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment grand. Et en dehors, en passant de ça, aïe, aïe, aïe. Elle voulait parler encore, mais bon, elle a vu que c'est un peu trop long. Voilà. Elle dit, aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Elle est en ligne, là. Elle est en ligne. Comme c'est sur ce téléphone-là qu'elle a envoyé les messages, je n'ai pas pu récupérer tous les messages qu'elle a envoyés parce que j'ai vu un autre message qui est apparu sur l'écran. Mais je vais écouter ça après.
Hier, je disais qu'on va l'appeler pour lui demander l'argent. Effectivement, aujourd'hui, on l'a appelé pour lui demander l'argent. J'avais dit, quand je faisais, Dieu m'avait donné la révélation qu'elle allait faire une rencontre. La rencontre a eu lieu. Mes amis, on n'est pas dans... Jesus, help. Il faut aider ton peuple. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la parole de Dieu. On va aller très fort. Nous allons prendre la parole de Dieu. Deux Rois, le chapitre 6, le verset 24, je vais lire jusqu'au verset 30. Deux Rois, le chapitre 6, du 24 à 30. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va aller très fort. Deux Rois, le chapitre 6, je vais regarder un peu tous ceux qui sont connectés. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. 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 Voilà, deux Rois, chapitre 6, verset 24 au verset 30. Et je vais lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea la Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fientes de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons ton fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit ces paroles, les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait, en dedans un sac sur son corps. Est-ce que vous comprenez la sorcellerie en plein jour? Deux femmes. Elles ont des enfants. Elles se concertent. Elles complotent pour tuer leurs enfants. Vous n'avez jamais entendu cette histoire où des personnes vont prendre crédit et quand on dit donne ton enfant, maintenant elle dit je ne donne pas mon enfant, elle cache son enfant, elle dit pour aller en voyage. Parce qu'elle n'a pas envie de donner son enfant. C'est les histoires qui se passent au quotidien dans nos villages. Et plusieurs parmi nous ici, plusieurs ici sont victimes de la sorcellerie. Les gens sont dans leur monde et ils partagent les enfants. Ils mangent les enfants. Donne ton enfant, va le manger. Et demain, ça sera ton tour. Tu vas payer ton crédit. Mesdames et messieurs, qui parmi vous n'a-t-il pas été attaché ou a-t-il été attaché? Qui parmi vous est en train d'être le sujet de leur réunion, de leur concertation, de leurs hôtels? Aujourd'hui, comme le roi, nous allons déchirer nos vêtements.
la malédiction de ce que nous entendons. La malédiction de ce qui se fait dans le monde des ténèbres vaut que le manteau de la malédiction soit ôté sur nos vies. Que le manteau de la misère soit ôté de nous. Le manteau qu'ils ont préparé dans le monde spirituel pour mettre sur nous, pour nous cacher, nous allons déchirer ce manteau. Mesdames et messieurs, ils sont en train de parler sur toi. Des mamans sont en train de faire le commerce de leurs propres enfants. Des mamans, des parents sont en train de programmer leurs enfants pour la mort. Hey! Yeah! Wow! Des personnes sont en train de préparer des coups parce qu'ils doivent commercer, vendre des âmes, vendre nos vies et nos destinées, détruire notre destinée juste pour satisfaire leur avidité. Hey, Jesus. Ils sont en train de commercer. Ils sont en train de préparer la route des hôtels pour tuer leurs propres enfants. Mais dis avec moi ce matin, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Parce que ils se sont trompés d'adresse. Ils se sont trompés d'adresse. La femme dit, elle m'a dit, donne ton enfant, on va le préparer, on va le manger aujourd'hui. Et demain, on mangera ton enfant. Jesus. Oh, you got me cool. Wow. En ce jour, je veux dire à une personne qui m'entend, qui m'écoute, le complot qui est en train de se préparer contre toi, leur commerce qu'ils sont en train de faire, tu n'es pas concerné. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Jesus Christ. Je ne suis pas concerné. Wow. Je ne suis pas concerné. Jésus, oh, les. Ils mangeront leur propre sang, leur propre chair, et ils boiront leur propre sang. Je ne suis pas concerné, c'est la mauvaise adresse. Back to the sender, retour à l'envoyeur. Ce qu'ils ont préparé contre toi, cela va leur arriver. Parce que cette mort-là ne te regarde pas. C'est leur commerce à eux. Si elle a mangé pour l'autre et qu'elle veut rembourser, tu n'es pas concerné. Elle n'a qu'à donner son propre bras, son propre pied, son propre cœur, sa propre tête, son propre quoi. Ils n'ont qu'à eux-mêmes donner ce qu'ils ont là-bas. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. L'odeur de mort. Il y a une personne ici qui a une odeur de mort sur sa vie. Il y a combien de Joël qui sont connectés? Combien de Joël? Il y a combien de Joël combien de Joël? Il y a combien de Joël qui sont concernés, qui sont en ligne ici? Tous les Joël, écrivez
sur YouTube ou bien sur Facebook, si tu t'appelles Joël, écris « Je m'appelle Joël ». Jesus. Il y a une odeur de mort que je sens sur un Joël. Une odeur de mort. Une odeur de mort. Une odeur de mort. Ils sont où les Joëls? Les bracotoro de Boshabrahanta. Je vois un seul Joël. Lion de braco coro de Boshabrahanta. Les socatete rebrocandibrahant. La socatete rebrocha. Basha baba barento cobros en de rebosh. Écoute-moi, Joël. Il y a 3 ans en arrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Prisca. C'est qui? Prisca, c'est qui? Prisca, je vais lire tes commentaires. C'est qui Prisca? Makotoro dobo Shabrahanta. Les atatata. Kobro Sandi Brahante. Lerebo Shabrahanta. Lian de bra, Garo Zondoro Kubahra, Le Barretere de Oche, Mazo Katata, Le Brasso, Mandeha, Le Brassoka, La Zokototo. C'est ma grande sœur, elle n'est plus. En 2021, Prisca est décédée. Joël, en 2021. Ce qui est arrivé à Prisca est sur le point d'être arrivé. Ce qui est arrivé à Prisca est sur le point d'être arrivé. L'odeur de la mort rôde. Le prochain sacrifice. Quand ils ont mangé là, le prochain crédit qui sera remboursé là, c'est Joël. C'est toi. Écoute-moi bien, jeune homme. Dieu t'aime. Dieu, il faut qu'on... Allez, demain, si tu as la possibilité de payer poulet, mange pour fêter. Écoute-moi bien. L'odeur de mort te suit. Ce qui est à, ce qu'ils ont fait à Prisca est sur le point de t'arriver. Hey! Attends là-bas. Il faut rendre gloire à Dieu, jeune homme. Dieu te donne une autre opportunité de le servir. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Tu t'es connecté là. C'est une grâce et une bénédiction pour toi. Écoute-moi très bien, jeune homme. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et la grâce de Dieu est sur toi et ton partage. Quand tu naissais, un certain 31 décembre, le Seigneur te connaissait déjà. Je parle à Joël. Je parle à Joël. Je parle à Joël. Je parle à Joël. Le Seigneur qui m'a appelé te donne la vie. Le Père céleste qui m'a appelé te donne la vie. Et il te la donne en abondance. My God. Oh! Yahweh! Le pouvoir de la sorcellerie qui te suit, je l'arrête dans ta vie. J'arrête ce pouvoir. Je neutralise ce pouvoir. Ce qu'ils ont lancé à ta suite a échoué. Le missile guidé, téléguidé en sorcellerie qui t'ont lancé vient d'être écrasé. Vient de s'écraser pendant que je suis en train de parler. Et aujourd'hui même,
j'arrête ça sur ta vie. Ce qu'ils ont arrêté dans le monde spirituel démoniaque contre ta vie, contre ta vie sur la terre des vivants, pour arrêter ta vie sur la terre des vivants, aujourd'hui, je dis, je déclare que cela est nul et de nul effet. Tu vis au nom de Jésus-Christ, j'appelle sur toi. La vie au nom de Jésus-Christ, j'appelle sur toi. La vie. Hey. Jésus. Oh. Wow. In the name of Jesus Christ. Hey. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que les œuvres ont échoué au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête sur toi que la sentence de la mort soit neutralisée, arrêtée, et que la vie continue pour toi. Je sécurise ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. Quelqu'un ici s'appelle Sally. C'est qui Sally? C'est qui Sally? Quelqu'un ici s'appelle Sally. Est-ce que quelqu'un est en ligne qui s'appelle Sally? Mesdames et messieurs, commençons à prier pour détruire l'œuvre de la mort. Détruisons le manteau de la mort. Détruisons le manteau de la mort. Le manteau de la mort. Le manteau de la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sally qui est en ligne? Le manteau de la mort s'arrête au nom de Jésus-Christ. Au puissant nom puissant de Jésus-Christ, la mort a échoué. La mort échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ, la mort ne peut prospérer. La mort ne peut vaincre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Sally, pas Zali. Sally. 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 Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de programmer. Ils sont en train de vouloir te programmer. Mais en ce jour, je déprogramme leur programmation. Je déprogramme, je déprogramme. Je te déconnecte. Je te déconnecte de leur réseau. Je te déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déconnecte au nom de Jésus-Christ. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes ici dont on bloque les commentaires sur Facebook. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dont le commentaire est bloqué parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux dire. Tous ceux qui s'appellent Kwasi, écrivez, je m'appelle Kwasi. Rapidement, écrivez. Écrivez. Je m'appelle Kwasi. Kwasi, écrivez. Je vais voir les commentaires. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans les commentaires. Ils ne peuvent plus commenter. Si vous ne pouvez pas commenter, passez sur YouTube. S'il y a quelqu'un ici qui s'appelle, on dit le nom du lien sur YouTube. Ah, les gens ont des problèmes ici aussi. Quelqu'un dit, je m'appelle Kwasi, mon épouse s'appelle Kwasi. Les Kwasi, je vais vous voir. Les Kwasi. Les Kwasi. Je m'appelle Kwasi.
Alléluia. Alléluia. Il y a une Kwasi. Kwasi, mentionnez vos noms. Kwasi, mon époux s'appelle Kwasi. Il y a une grande... Hey! Pendant que je suis en train de parler de Kwasi, le Seigneur amène mon esprit dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment au nord là-bas vous appelez Kwasi aussi. Au nord de la Côte d'Ivoire, je vois la ville de Bondoukou. La ville de Bondoukou. Écoute-moi, il est cerné. Elle dit, tu t'appelles Kwasi, normalement Kwasi c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur me dit que tu viens d'une ville qui est au nord de la Côte d'Ivoire, Bondoukou. Bondoukou. Au nord de la Côte d'Ivoire, les commentaires viennent en retard. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'objectif d'un plan savamment orchestré, le monde de la sorcellerie, est de pouvoir te tuer à petit feu et détruire ta maison. Écoute-moi bien, je vois ta maison, ils sont en train de... ils ont pris une maison et puis ils ont mis la maison sous l'eau pour envahir, pour étouffer. Au fur et à mesure, ton mari va commencer à devenir bizarre, insensible. Et ton mari va commencer à avoir le cœur qui va dehors. L'objectif à long terme, c'est de pouvoir te choquer. Elle dit qu'ils vont, m'amener, ils vont même t'amener à surprendre ton mari avec une autre. Au point que tu es tellement mal que tu puisses piquer une crise qui va te détruire. Je vais voir les commentaires. S'il vous plaît. C'est moi, Daddy. D'accord. Écoute-moi. Là où je suis en train de parler, là, maintenant, mets ta main au niveau de ton nombril. Parce que des gens dans ta famille te cherchent. Il y a une collaboration entre les gens de ta famille et les gens de la famille de ton mari. On te cherche. Mets la main sur ton nombril. Je vais couper ce cordon. Et là où on est en train de te chercher, là, on ne te trouvera pas. Je déclare cela aujourd'hui. Fire in the name of Jesus Christ. Je détruis cela. Ce plan. Elle dit, c'est fait. Oh Lord, non. Je brise l'impact sur ta maison. Je détruis cet impact sur ta maison et sur ta vie, sur ta santé. Je neutralise le plan de Satan qui veut attenter à ta santé et te détruire à petit feu. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, je te sors de là. Je te sors de là. Je te sors de là. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une femme est ici. Ma fille, que ton cœur ne se trouble point. Une femme est ici. Écoute-moi bien. Il y a un objectif clair de te paralyser. Un objectif clair que tu puisses être handicapé du pied. Et je te vois à l'est de la Côte d'Ivoire. Comme dans une ville. À Bangourou, à cheval, un village à cheval sur à Bangourou, à Nibirokro. Je suis en train de te voir. En fait,
Ils ont pris un animal. Ils ont cassé le pied de l'animal. Au point que tu es mal descendu. C'est-à-dire que ton pied a un problème. Et Jesus Christ. Jesus. Écoute-moi. Je retire ton pied de leur couvent de sorcellerie. Et je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Je te sors de cette machination. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Je libère ton pied dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame ta liberté, ta délivrance, ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ah! Zokatatarabouche. Il y a combien de Nicole qui sont connectées? Combien de Nicole? Combien de Nicole connectées en ce moment? Si tu t'appelles Nicole, écris, je m'appelle Nicole. Ce jour, je déclare que tout vêtement mystique qu'on t'a fait porter est déchiré aujourd'hui sur ta vie. Comme le roi, nous allons déchirer ce manteau sur toi. Nous allons déchirer ce manteau sur toi. Si tu es là que tu t'appelles Nicole, il faut mentionner que tu t'appelles Nicole. Au nom de Jésus-Christ, écoutez-moi. J'espère que vous êtes prêts et vous êtes prêtes et que vous avez vos habits à côté de vous. J'ai que kebro shararabahant le brako tati brahant le aho shokoto rodobo sha makoto torodobo shabrahant le koto raham brokandeha zakata tatarararahant le brako tatarararahant le brako tatatata mama katata boka tata. Je viens de voir un nom. Je viens de voir un nom. Je viens de voir un nom. Evelyne. Je viens de voir le nom de quelqu'un qui s'appelle Evelyne. Je viens de voir le nom de quelqu'un qui s'appelle Evelyne. Les sorciers, ils sont vaincus. Leur balle de paralysie là, c'est eux-mêmes les pieds qui va se retourner là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je retourne leurs pieds là-bas. Quelqu'un s'appelle là. Quelqu'un s'appelle Evelyne, non, j'ai dit. J'ai dit Evelyne, j'ai vu un nom passer. C'est Evelyne, j'ai dit. C'est Evelyne, j'ai dit. Est-ce que la personne qui s'appelle Evelyne est là? Bon, je ne vois pas son commentaire. Écoutez-moi. À cet instant précis. Oui, elle dit oui, c'est moi, homme de Dieu. Écoute, Evelyne. Qui tu connais? Qui est né un 7 juillet. Qui tu connais? Qui est né un 7 juillet. Yahweh, oh. Jesus. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Jésus, oh. Yahweh, oh. Aujourd'hui, je parle à l'atmosphère, je parle aux entités, je parle à toute entité démoniaque mystique qui est cachée derrière tes pleurs, derrière ton malheur. Aujourd'hui, je déclare ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus.
Attendez. Joël dit, papa, je sens une douleur au niveau de ma tête. Mets la main au niveau de ta tête. Ils ne vont pas réussir, Joël. Ils ne te tueront pas. Écoute-moi bien. Ils ne vont pas... Il dit, leur programmation, là, j'en ai eu, mets ta main au niveau de ta tête. Là où tu as mal. Là où ils veulent t'assommer. Là où ils ont assommé leur animal. Et puis tu es le prochain sur la liste, là. Aujourd'hui, j'ai dit, je te sors de là. Tu ne meurs pas et tu ne mourras pas. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache de leur filet. Je t'arrache de leurs œufs. Je t'arrache de leurs mains. Et j'appelle sur toi la protection divine. Le sang de Jésus. J'appelle sur toi la vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle sur toi la vie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de sorcellerie te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Joël, tu vis, tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Il dit, demain, il faut fêter. Loue le Seigneur. Il n'aura rien. J'ai échoué. C'est fini. Ce que tu sens, c'est ce qui normalement devait t'arriver. Et puis tu allais mourir. On appelle ça mort subite. Ils ont assommé l'animal. Ils ont parlé sur l'animal. Parce que tu es le prochain crédit qu'il faut rembourser. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas le mouton de sacrifice. Amen. Est-ce que la fille là, est-ce que la fille dont j'ai parlé là, c'est Evelyne, je crois. Est-ce qu'elle a commenté? Homme de Dieu, je connais personne qui sont le 7 juillet. D'accord. J'ai compris. Mesdames et messieurs, il y a connaît personne qui sont nés le 7 juillet. Tu connais aussi personne qui est né le 5 décembre? Le 5 décembre. Tu connais personne qui sont nés aussi le 5 décembre? Tu connais aussi personne qui sont nés le 5 décembre? Jesus. Il nous reste quelques minutes. Jesus. Tu connais aussi personne qui sont le 5 décembre. Evelyne, je suis sur toi. Les commentaires sont très lents. Je regarde sur YouTube. Mako Torogo Bro Shandaha. Pelagie Akobe. Sois béni. Sois béni. Pelagie, mets la main au niveau de ta poitrine rapidement, s'il te plaît. Mets la main au niveau de ta poitrine. Mets la main au niveau de ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ, Pelagie. Au nom de Jésus-Christ, mets la main au niveau de ta poitrine. Au nom puissant de Jésus-Christ, écoute-moi. Écoute-moi. Pelagie, écoute-moi. Écoute-moi. Je suis en train de voir quelqu'un s'asseoir sur ta poitrine. Je ne sais pas en ce moment. Respire un grand coup, s'il te plaît. Respire rapidement un grand coup. Respire un grand coup. Et puis expulse. Respire encore un grand coup et puis expulse. Respire encore un grand coup et puis expulse pour la troisième fois. Au nom de Jésus-Christ, je te libère. Pélagie, je te libère. Il te quitte au nom de Jésus-Christ. Hey, loro de brocha, leko prochandaha, le katatarabocha, mandoro de bocha Abraham, Pélagie, au nom puissant de Jésus-Christ,
au nom puissant de Jésus, je relâche la puissance de Dieu. Come out in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, come out in the name of Jesus. 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 Merci Seigneur. Je vois un nom qui s'appelle Nicole. J'ai dit ce nom-là et c'est revenu encore dans mon esprit. Nicole. Quelqu'un ici s'appelle Nicole. J'ai vu le nom au début. C'est revenu encore dans mon esprit. Nicole. Nicole, c'est qui, s'il vous plaît? Nicole, c'est qui? Nicole, c'est qui? Nicole, c'est qui? Mes amis, c'est sérieux. Nicole, c'est qui? C'est qui, Nicole? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh, je suis là. Ok. Nicole, écoute-moi. Il y a 2 ans en arrière, tu as perdu un jeune homme. Un jeune homme est décédé. Un jeune homme est décédé. Nous sommes en 2024, 2023, 2022. Un jeune homme est décédé en 2022. C'est qui pour toi? Nicole, c'est qui? Qui est décédé en 2022? Qui est décédé? Qui? C'est qui? Mes amis, on va poser notre action prophétique, mais il y a beaucoup de choses qui viennent à mon esprit. Beaucoup de choses. Nicole, il y a un jeune homme qui est décédé. Un jeune homme qui est décédé. Est-ce qu'elle commente? Je suis en train de voir Haïti. Elle dit, je ne crois. Grébé veut rendre témoignage d'Adi. Ok, tout à l'heure. Grébé n'a qu'à attendre un peu. Je suis sérieux. Nicole, est-ce qu'elle est en Haïti? Est-ce qu'elle est d'Haïti? Nicole. Est-ce que Nicole, tu viens d'Haïti? Ah, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Ok. Je parle à une Nicole. Écoutez-moi. Le temps est avancé. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va poser notre action. Et puis après, on va faire le reste, d'accord? Tous ceux qui sont là, l'habit qui a touché votre corps, je vais prier avec vous. Il y a quelqu'un ici là. Ta femme est dans la sorcellerie. Joël dit, je ne sens plus la douleur, papa. Je suis restauré et j'ai la victoire sur tout esprit ténébreux au nom de Jésus. La douleur de Joël a disparu. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il y a quelqu'un ici, un homme. Tu es en train de me regarder. Ta femme est sorcière. Bon, je ne vais pas dire ton nom. Mais, pardon, il faut prier. Ta femme est vraie sorcière. Hein? Hey, my God. Vraiment, quand il est parlé, on a dit non, que les hommes de Dieu mettent par là. Je ne parle pas, je ne dis rien. Seulement, il faut prier, il faut mettre ça en prière. Hein. Si tu es ici, que tu es marié, bon, avis à tous les mariés. Priez. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux.
au nom de Jésus-Christ, que je vois ce qui se passe dans mon lit, dans ma maison. Amen. Ok, écoutez-moi. C'est fort ça. C'est fort même. Regarde, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Ta femme là, ils l'ont mis dans ton sein pour te drain. Drain en anglais, ça veut dire pour te vider. Evelyne Kwasi dit, son oncle est né le 5 décembre. Elle dit tout à coup, les célibataires se sentent en sécurité. Evelyne, écoute-moi Evelyne. Je prie au nom de Jésus-Christ et j'arrête toute mauvaise nouvelle dans ton téléphone. Je prie et j'annule toute mauvaise nouvelle venant vers toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et j'annule toute mauvaise nouvelle, toute annonce de mauvaise nouvelle sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à prier pour dire tout manteau des ténèbres comme on a pris pour m'habiller. Tout mauvais manteau dont on m'a habillé. Toute mauvaise couverture, les linceuls noirs qu'on a mis sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je déchire. Écoute-moi, ton habit que tu as pris en main, tu vas prier, tu vas déchirer. Souvent, on met les manteaux de deuil sur toi. Un habit de deuil. La sorcellerie, là, on met ça sur toi. L'habit surtout souvent qui a touché ton corps. Il y a ta sueur dedans. C'est ton âme. Ta sueur sur ton âme. Parce que la sueur sort du sang. Le sang, c'est là-bas que c'est le siège de l'âme. Si tout de suite là, ton sang se vide de toi, on dit qu'il a perdu son âme. Tu vas mourir, on dit rip. Repose en paix. Que son âme repose en paix. Ta sueur, vous avez pris des choses qui vous ont touché. Des chaussures, des vêtements, vous avez donné à des gens qui sont allés faire de cela ce qu'ils veulent et vous habiller d'un manteau de deuil, un manteau de malheur. Depuis que tu as commencé à faire des dons, ta vie ne va plus. Parce que ta sueur, ton sang, parce que ton âme est rentrée, ton argent, souvent tu ne sais pas, tu fais don aux gens. Alors que ton argent, c'est le fruit de ta sueur, la sueur de ton front. Et la sueur sort du sang. Tu as livré ton sang, ton âme. Tout mauvais manteau qu'on a pris pour t'habiller, tu vas déchirer. Tu vas dire, je déchire le manteau de la pauvreté. Je déchire le manteau de la mort. Je déchire tout mauvais manteau qu'on a mis sur moi. Tout mauvais manteau d'échec. Le manteau de la malédiction. Le manteau des envoûtements de la sorcellerie qui est sur moi. Je déchire au nom de Jésus-Christ. Quand le roi a entendu cette sorcellerie, il a déchiré son manteau. Tu vas déchirer, tu vas dire, tout habit ténébreux, tout mauvais manteau sur ma vie, tout mauvais manteau qu'on a pris pour m'habiller, tout mauvais manteau qu'on a mis sur moi, le manteau de la misère, le manteau de la destruction, je déchire au nom de Jésus-Christ, j'enlève sur moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout manteau de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, je déchire le manteau de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, je déchire sur moi tout manteau ténébreux, le manteau de la mort, je déchire au nom de Jésus-Christ, je déchire, je me déshabille, j'enlève sur moi le manteau de la sorcellerie, j'enlève sur moi le manteau de la mort, j'enlève sur moi le manteau de la pauvreté, j'enlève sur moi le manteau de la sorcellerie, je déchire tout manteau qu'on a mis sur moi pour m'habiller, pour me marquer, pour me tracer, je déchire
Au nom de Jésus-Christ, je déchire les manteaux ténébreux. Je déchire dans le nom de Jésus-Christ. Je déchire les manteaux ténébreux. Je déchire les mauvais laisseux noirs qu'on prend pour couvrir les animaux, des bêtes des champs, qu'on prend pour couvrir les poulets, afin de me cacher. Je déchire au nom de Jésus-Christ. Je déchire au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout manteau de la sorcellerie. Je déchire au nom de Jésus-Christ tout mauvais manteau qu'on a mis sur moi pour me cacher. Je déchire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déchire les manteaux de la mort. Je déchire les manteaux de la pauvreté. Je déchire le manteau de la sorcellerie. Je déchire dans le nom de Jésus-Christ. Je déchire au nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève sur moi le manteau de la mort. J'enlève sur moi le manteau qui me suit partout et qui est une malédiction sur ma vie. Je déchire au nom de Jésus-Christ. Je déchire au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout manteau, tout mauvais habit qu'on a mis sur toi. J'enlève ça sur toi. Je déchire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qui te suit, j'enlève cela sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève la mort sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis le pouvoir du mauvais manteau. Je déchire le pouvoir du mauvais manteau. Le mauvais manteau est enlevé sur toi. Est enlevé sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déchire. Chakatata. Les bras kototo. Mind the ray, kuta bra. Je te déclare libre. Je déclare la liberté sur toi. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui a été mis sur toi a été ôté aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, l'habit noir, l'habit de deuil est enlevé sur toi. La sorcellerie s'arrête sur toi. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta restauration. Je déclare ta victoire. Je déclare ta restauration. Je déclare ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te bénisse. 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 Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il tourne sa face vers toi, qu'il te fasse grâce et que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. My God. Au nom de Jésus-Christ, parmi vous ici, sur YouTube, qui est né le 1er avril, parmi vous qui êtes ici sur YouTube, qui est né le 1er avril. Je parle à une femme. Écoutez-moi, Facebook. Je libère la grâce. Écoutez-moi, il y a une personne ici. Une personne ici. Au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, je vois le pays de la Centrafrique. Le Seigneur est en train d'opérer quelque chose au niveau de quelqu'un ici qui est de la Centrafrique. Je suis en train de voir des choses sortir de toi. Je suis en train de voir des choses sortir de toi. Je suis en train de voir des choses sortir de toi. C'est comme s'il y avait de la glaire qui sort de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler là, quelqu'un est en train de pouvoir faire des reflux. C'est en train de sortir. Au nom de Jésus-Christ, je parle restauration. Je restaure, j'appelle sur toi la restauration totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. Dabo. Alléluia. 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 Je prie. Il y a une personne ici qui s'appelle Gabo. Une personne s'appelle Gabo. Une personne s'appelle Gabo. C'est-à-dire, je vois un homme à côté de toi qui s'appelle Gabo, tu portes le nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, oh, waouh, waouh, Jésus, oh, hey, Jésus, waouh, waouh, YouTube, ah, c'est ton nom, c'est le nom de ton mari, c'est le nom de ton mari. Écoute-moi, Madame Gabo. Écoute-moi, Madame Gabo. C'est le nom de mon mari, d'accord. Madame Gabo, je n'aime pas la position dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous êtes appelée à prospérer, tellement prospérer. Mais le vent qui a soufflé là, le Seigneur te restaure. Vous êtes appelé à être à une dimension de bénédiction sans mesure. Mais le diable est un menteur. Je déclare en ce jour la restauration chez vous. Le Seigneur relève ta tête, madame. Cette beauté que tu... Cette beauté-là, le Seigneur te redonne cette gloire. Tu deviens une couronne de victoire. Une couronne exceptionnelle. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, femme. Ce qu'ils ont volé à votre existence, le Seigneur le remplace au nom de Jésus-Christ. Ce que la sauterelle a mangé, dévoré, le gazam, le gélec, ils ont dévoré. Le Seigneur vous les remplace au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous les remplace au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sèche tes larmes, femme. Le Seigneur bénit tes pas, il bénit ta vie. J'appelle sur toi la restauration. Madame, ton mari est où? Dis-moi, il faut me répondre. Facebook, attendez un peu. Maman, ton mari est où? Ton mari, là, il est où? Il est où? Je dis ça parce que il faut que je prie pour son départ et son arrivée. Je prie et je sécurise ses pas. Je prie et je sécurise sa vie. Il n'est pas à la maison. Je prie, je sécurise sa vie. Son aller, son retour, je sécurise et j'appelle sur lui la protection divine. Que le Seigneur le bénisse et que la promotion que le Seigneur a prévue pour lui là, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est à sa place, qui doit libérer le tabouret, libérer le fauteuil.
Je précipite ça sur ta vie et ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit que quelqu'un avait un témoignage. On a dépassé largement le temps aujourd'hui. Wow. Madame Gabo, il faut garder le sourire. Tu as compris? Il faut que ton sourire soit préservé. Que personne ne t'arrache le sourire. Montre bien ta belle brèche. Parce que je vois une femme avec une brèche. Je ne sais pas si c'est toi. Mais il faut préserver ça. D'accord? Que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi. Oh, on a trop dépassé le temps. On n'est pas en week-end. Elle dit, c'est vrai, j'ai une brèche. Je vois. Et d'amusement, je vois. YouTube, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça? Elle dit que je vois quand même. Non, mais je vois quand même. Non, mais c'est terrible. Wow, non. Moi, je peux voir ma femme, hein, je peux voir. Je suis un voyageur. Et je voulais écrire le sourire à la brèche et il a dit, montre bien ta brèche, tu vois. Oh. Écoutez, mesdames et messieurs, on a dépassé le temps. Je vais prier. Non, ne t'inquiète pas. C'est comme vous avez fait des vêtements là. Calme-toi. Abila est porté, hein. Prenez ça. Et puis bénissez. Que toute malédiction se change en bénédiction. Que tout malheur se change en bonheur. Toute maladie en guérison. Commencez à parler. Commencez à prophétiser. Commencez à parler. Ce qu'eux ont fait, on va le changer, le transformer. Commencez à prier au nom de Jésus. Je transforme, je restaure. Je remplace. Au nom de Jésus-Christ. Ce manteau qu'ils avaient pris, ils avaient voulu me faire du mal, je change en manteau de joie, manteau de gaieté. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Mettez votre main sur votre tête et bénissez-vous. Appelez les grâces, appelez les faveurs, appelez les bénédictions sans mesure sur votre tête au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma vie. Je bénis ma destinée. Je bénis mon âme. Je bénis mon esprit, je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis tout ce que je touche. Je bénis mon esprit et mon âme. Je me bénis, j'appelle sur moi toutes les grâces. Les grâces des quatre points cardinaux viennent à moi. Je les prends et elles se changent en des bénédictions rapides. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma vie est bénie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les habits que vous avez déchirés, chez vous là-bas, là, prenez-les, mettez-les à la poubelle. Votre malheur, jetez à la poubelle. Vos maladies mystiques, jetez-les à la poubelle. Vos malheurs, vos cauchemars, jetez-les à la poubelle. Jetez-les. Vous prenez l'habit là, vous jetez la poubelle pour vous parler, pour dire, je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. C'est terminé. Le manteau qui me couvrait pour ne pas que mon étoile brille, ce manteau est ôté. La couverture qui était sur moi pour ne pas qu'on voit mon éclat, le voile, la couverture est ôtée. L'habit de deuil est ôté du dessus de moi.
et vous jetez la poubelle. Vous passez à autre chose. Je déclare une nouvelle saison sur votre vie. Je déclare une saison nouvelle, une saison de restauration, une saison de bénédiction, une saison de victoire. Je déclare sur vous et vos familles la liberté, la bénédiction abondante. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, soyez bénis. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Grébé, qui a un témoignage. On dit que Grébé a un témoignage. Harold, c'est ça? C'est Harold ou bien c'est lequel des Grébé? C'est lequel des Grébé qui a un témoignage? Oh, merci Seigneur. Bon, je ne vois pas, hein, donc on va passer à autre chose. C'est Séverin Grébé. Ok, Séverin. Grébé. Je vais t'appeler, papa. Ah, je ne peux pas l'appeler. Est-ce que tu peux m'appeler par... Je n'arrive pas à émettre d'appel ici. Attendez, il y a un témoignage. Patientez, hein, s'il vous plaît. S'il me répond... Attends, je l'appelle, voilà. Voilà, voici Jocelyne Ba qui est en train de commenter. Bon, Séverin Grébé, je t'appelle mais ça passe pas. Ah, ça passe. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment ça va? Dis-nous tout, on est là, on t'écoute, tout le monde t'écoute. Amen. Papa, je voulais faire un remerciement à Dieu, parce que ma vie même, il y a quelques mois et quelques jours de cela, j'ai été libéré, pour, je crois, j'étais enterré dans une bouteille que vous avez révélée. Ça, c'est les mois passés. Et pas plus que le samedi passé, j'ai été libéré des jambes qui étaient vraiment un problème pour moi. Et depuis longtemps, ce problème de pied-là, je souffrais de cela. Pour cela même, j'ai arrêté. J'étais un footballeur, j'ai arrêté de jouer parce que je ne pouvais plus courir. Ah j'ai bon? Été paralysé pendant 7 ans. J'étais en terre. Wow. J'étais paralysé pendant 7 ans, étant en terre. Wow. Dieu m'a fait la grâce. Je me suis levé. J'ai dit à Dieu, si tu es un Dieu qui sauve les gens, relève-moi, je vais t'appartenir. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Longtemps de cela, je souffrais vraiment de ce pied. Pour me relever, c'est tout un tas de problèmes. Wow. Ce pied-là, à tout moment, ça sent. J'avais des photos de cela, mais on dirait que j'ai effacé. J'ai des mal de pied pas possible. Et je suis là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie au juste? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie au juste? Il ne fait pas mal. Ou bien, comme on m'a dit, il y a une relation qui est dit qu'on veut me paralyser. Peut-être que c'est ça. Et ce n'est que samedi passé, vous avez vu encore oui. Que mes pieds ont été. Devait être vendu. Après la prière, après
J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Oui, c'est samedi, demain, dimanche, pardon, dimanche là, je voulais rendre témoignage, et puis, bon, j'ai dormi. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Mais je le dis tout là. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes pieds, je les sens maintenant. Je sens maintenant mes pieds. Hey, Seigneur. Malgré qu'il y a des petits courbatures, des chiens qui se mettent, mais quand je. Vous attendez le bruit, quand je fais ça, je sens que c'est mon pied sur lequel je suis en train de marcher. Alléluia. Donc je voulais rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Pour tout ce qu'il fait pour moi et ce qu'il va continuer de faire pour moi. Parce que Amen. La vie que je mène là, elle est très dure et compliquée. Et je ne sais pas à quelle fin se vouer. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé là. Il va l'achever. Amen. Je me lève et je m'assois. Sinon, je ne pouvais pas me lever. C'est tout un tas de problèmes. Mais maintenant, je me lève et je m'assois. Alléluia. Donc, je vais rendre grâce à Dieu. Wow. Je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Et je vais dire merci à Dieu. Amen. Je vais rendre merci, je vais dire merci à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Papa, mets ta main sur ton pied encore une fois de plus. On va achever ça. On va parfaire ça. Toutes les douleurs, toutes les pointes, toutes les pointes qu'on a mis dans ton pied, le reste et les restes sortent totalement. J'enlève en toi tout poison, tout venin et j'appelle sur toi le sang de Jésus-Christ pour te restaurer totalement et complètement. Depuis 7 ans, ils ont été propriétaires de ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur redevient propriétaire de la vie qu'il t'a donnée, de ton corps au nom de Jésus-Christ. Son corps a été flagellé pour que toi, tu ne sois plus flagellé. La Bible dit les maîtrissures, pas ces maîtrissures. Nous sommes guéris. C'est guérison, c'est les plaies qui sont sur le Seigneur et ta guérison. C'est pourquoi j'appelle sur toi la restauration totale, complète dans le nom de Jésus-Christ. Tu es totalement restauré. Ils ont échoué. Tu es restauré, totalement restauré, c'est terminé, tu vis dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, sois béni, je suis content. 7 ans après, que le Seigneur soit avec toi. Sois béni, papa, sois béni. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Amen, papa. Mesdames et messieurs, c'est authentique là. Ça, il n'y a pas. 7 ans, un footballeur, ils ont paralysé. Ils ont détruit sa vie, sa carrière footballistique. Les sorciers sont méchants. Les sorciers sont des brigands. Ils sont des gros, grands brigands paresseux. Ils s'acharnent sur les plus faibles. C'est des bandits. Mais le Seigneur restaure son enfant. Alléluia. Regardez la vigueur. C'est ça qui me donne la joie de servir Dieu. Regardez la vigueur, la joie avec laquelle il témoigne. Tu sens que le monsieur a retrouvé quelque chose. Non. Il dit, je m'assois maintenant. Je peux me lever. Il veut parler, même embêter, même ça ne finit pas. Oh, le Seigneur est bon. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. C'est l'anniversaire de mon épouse demain. Prions pour sa bénédiction. Que le Seigneur soit avec ton épouse et qu'il la bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur toi et ton épouse. Papa Gustave, Dieu bénisse ton épouse abondamment, ta merveilleuse, grande et glorieuse épouse. Je l'aime tellement. Oh! Elle dégage quelque chose que j'aime, quelque chose de genuine, quelque chose d'original. Quelqu'un m'a fait des étoiles là, 500 et quelques étoiles là, vraiment, que Dieu te bénisse. Hein. Toi au moins, tu as vu que je n'ai pas dépensé l'énergie pour rien. Esther Grâce Elias, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, amen. Oh, soyez béni, soyez béni, soyez béni. YouTube, aujourd'hui on a été un peu plus nombreux, ça vient un peu, non? Ça vient un peu, un peu. Après, on va voir comment les choses vont avancer. Amen. Voilà. Soyez bénis. Facebook, soyez bénis.
On a dépassé largement le temps. On a presque fait 2 heures. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'après, quand on va regarder, n'est-ce pas, quand les gens vont regarder, ça sera trop long. Amen. Voilà. Amen. Mon Dieu, bénis-moi. Que Dieu te bénisse, Nicole Villageoise. Que la main de Dieu soit sur toi. Papa, assis. Merci beaucoup pour les 20 étoiles. Que Dieu te bénisse. Oh, merci beaucoup. Jelika, sois bénie. Sois bénie. Sois bénie. Merci beaucoup pour les 500 étoiles. Jelika. Je voulais dire un mot là. Que Dieu te bénisse. Ouh, Papa Digis, tu es revenu en force, hein? Tu es béni. Merci pour les 200 étoiles. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Oh, merci pour les offrandes du matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Allez au travail et puis soyez bénis au travail là-bas. Ceux qui font, ceux qui sont au travail, qui sont là, que Dieu vous bénisse, qui vous garde et qui vous permette de voir, de dormir vraiment tendrement ce soir dans les bras, n'est-ce pas, du Seigneur. Merci beaucoup, papa, assis encore pour les 100 étoiles. Dieu te bénisse. Voilà. Hein? Amen. Amen. Donc, bon Dieu bénis-vous. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. J'attends aussi mon témoignage. Couronne éclatante. Ton témoignage est déjà là. Ton témoignage est déjà là. Sois béni. Prends-le. Prends-le. Saisis-le. Il faut dire, j'ai saisi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon Dieu bon. Bon Dieu capable. Bon Dieu bon, bon Dieu trop bon même. Hein? Voilà. Bon Dieu qui a fait tout le bagaille là. Voilà. Amen, amen, amen. Merci pour vos bénédictions. Amen, là qui prête. Merci beaucoup. Amen. Flore, sois béni, sois béni, sois béni. Clémence Adjé, t'as déjà salué mes enfants qui sont sur YouTube ici. Bah, vous saluez trop là. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés ici. Maman Patricia Louvia Wakou, Pelagie Okobe, Gustave Tano, sois béni, papa. Qui encore? Ma fille Whitney, sois béni. Martial Gex, sois béni. Hein? Qui d'autre encore? Pasteur Zoé de la Guadeloupe, sois béni, pasteur Zoé. Sois béni, merci beaucoup, serviteur de Dieu, merci beaucoup. Hein? Ginetta, Kelly, Kela, Deni, sois béni, maman. Sois béni, sois béni, sois béni. C'est Ginette. Elle s'appelle Ginette. Au bon nom, non? Sois béni. Ange Stéphanie Adia, sois béni. Vincent A, sois béni. C'est Vincent Alou, non? Voilà, sois béni, papa. Voilà, vous tous qui êtes connectés sur YouTube, si je ne dis pas le nom de tout le monde, c'est parce que je ne vois plus les commentaires. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble, on est ensemble. Maman Patricia Louvia Wakou, je te claque des grands bisous là-bas, sois béni. Et puis vous tous qui êtes connectés là-bas, Charlotte Bailly, nous, on est fidèles à Facebook. Hein? Sois béni, sois béni, sois béni, maman. Sois béni. Nela Mouni Zamba, sois béni. Papa Degis, ton concours de police, tu as le chapeau, il reste la tenue. Georgette, sois béni. Je suis un policier du royaume. Didier Okou, sois béni. La servante Fabienne, sois bénie. Hein? MC béni de Dieu, sois béni. Mikasa, sois béni. Évangéliste Thierry Yassi, sois béni. Mebioc, Sandrine Laure, sois béni. Flor Broby, sois béni. Angèle Kwa Okwa, sois béni. Jelika, sois béni. Michel Kipret, sois béni. La Kipreta Kipré, soyez béni. Clémence Adjé, sois béni là-bas sur YouTube. Hein, Justine Dadi, sois béni. Cœur d'Alain, sois béni. Alebi Emma, sois béni. Ah, soyez béni. Marie-José Dja, ma fille, sois béni. Sois béni. Kate Kwasi, sois béni. Soyez béni. Soyez béni. Esther Grace Elias. Mona Massia m'a envoyé un message extraordinaire. Grande dame, je te salue. Sois béni. Merci pour tes paroles qui m'ont fait énormément de bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Elle a commencé son message par dire, mon propre petit frère, c'est grâce à ce que le Seigneur t'a utilisé aujourd'hui qu'il est en vie. Cette femme m'a parlé aujourd'hui avec un message très fort. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie. Merci beaucoup. Sois béni. Harold
Grébé, sois béni. Maître Clément Sangier, sois béni. Papa Amon, sois béni. Alium, sois béni. Cocolida Patricia, sois béni. Couronné de gloire, sois béni. Bénédiction au Bounon. Aïe, c'est pas toi qui es là, sur YouTube là. Ou bien toi tu fais aller-retour. Alléluia. Et le riche Antali Baswaka, sois béni. L'Isco de Bordeaux, soyez tous bénis, mesdames et messieurs. Je ne voudrais pas citer tout le monde. Maman Bernadette Ali, sois béni. En tout cas, merci beaucoup. On a pratiquement fait 2 heures de direct aujourd'hui, c'est pas bon. Et je pense que ce virus, comme c'était spécial avec une action prophétique, il fallait qu'on le fasse. En tout cas, soyez salués, soyez bénis. Merci beaucoup pour tout. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Josiane Ba, est-ce qu'elle est là? Josiane, sois bénie. J'ai vu son témoignage. J'aime te voir sourire, papouche. Momo, tu me dis... merci beaucoup, ma fille. Toi aussi, tu m'as appelé aujourd'hui, tu m'as donné des paroles très fortes. Je rends grâce à Dieu. Amen. I will. Jocelyne Ba, sois bénie. Nadine Brissy, sois bénie. C'est encore possible, Shama. Jocelyne Ba, qui vient de commenter là, elle a frôlé la mort. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui peuvent témoigner qui sont le fruit de mon apostolat. Vous voyez? Et aujourd'hui, elle m'a appelé pour rendre témoignage de ce qu'elle a raté de peu la mort. Parce qu'on l'avait destinée. Et c'est la nuit où on devait finir avec elle que le Seigneur m'a utilisé pour la libérer de la mort. Ce jour-là, elle traînait dans sa douche. Elle est en train de mourir. Et le Seigneur l'a complètement libérée. Et après la révélation que j'ai donnée, 3 personnes pratiquement ont témoigné pour confirmer ce que Dieu m'a montré. Et quand je vois de telles personnes qui m'appellent pour me donner ce témoignage, ça me donne beaucoup de courage de continuer malgré les calomnies, malgré les attaques. Je crois que rien ne peut m'arrêter. On est lancé et on va y arriver. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Je vois les étoiles, 1400, n'est-ce pas? 18 étoiles, merci beaucoup pour vos offrandes du matin. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous ai rencontré à Reims. Ah bon, hein? Oh, le riche Antali. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai à Reims. À Reims, là, je reviendrai. Par la grâce de Dieu, ce que j'ai commencé à Reims, là, on va continuer. On va achever ça. Voilà. Il y a eu des choses là-bas, je me suis retiré. Mais je pense que Dieu va nous faire grâce. Voilà. Pélagie Okobe, merci beaucoup aussi à toi. Merci beaucoup, Mwana Massia, pour ton offrande du matin. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Papa, venez un peu à Abidjan. Oui, par la grâce de Dieu, je suis en train de chercher un billet. Je suis en train de chercher un billet pour arriver à Abidjan. Par la grâce de Dieu, le mois prochain, si tout va bien. Dieu va nous faire grâce. Je vais arriver là-bas parce que j'ai des actions à poser là-bas. Voilà, les sorciers, il faut qu'on aille les affronter. Hein? Ils sont trop guindés. Ils font les petits malins là. Alors qu'ils sont des petits, petits. On va gérer ça. Pas t'inquiéter. Je prie, j'ai le Seigneur pour qu'il fasse grâce et qu'on puisse y arriver. Voilà. Nous sommes au Bonon, connectés en ce moment. Ah, vous êtes 8 au Bonon à connecter. Que la famille Obonon soit bénie. La famille Obonon, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est comme les grébés, les adis. C'est comme ça les Obonon sont là. Je te suis à Abidjan, papa. Il n'y a pas de problème, ma fille. On va se voir là-bas par la grâce de Dieu. Hein? Oui, c'est des microbes. Les sorciers, c'est des microbes même. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille, c'est ça que j'étais en train de dire depuis plus longtemps. Il dit que le Seigneur vous bénisse. C'est la bénédiction finale comme ça. Hein? On vous attend en Italie, papa. Hein? Oui, par la grâce de Dieu, normalement, mon fils, je dois arriver en Italie. Parce qu'on doit arriver à Rome pour un essai dans un club de football là-bas. Par la grâce de Dieu.
tous les obonos, recevez la grâce au nom de Jésus. En tout cas, tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui, vous êtes bénis au nom de Jésus. On se retrouve à 21h heure de Paris sur Zoom. Vous allez sur mon profil Facebook, Anissé Chekinaël Brizou. Vous aurez, n'est-ce pas, le lien du Zoom. Cliquez seulement dessus si vous avez téléchargé Zoom sur votre téléphone portable et vous serez connecté automatiquement à la plateforme et nous serons en train de prier. Amen. Voilà. Soyez bénis. Allez, shalom, shalom, shalom. Bye bye.